Je sais. Il y a un truc qui a changé chez moi, non? Il y a. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui. Il manque quelque chose là, non? J'arrive même pas à le relever. Effectivement, il manque quelque chose. Quelle est donc cette mascarade? Ce n'est pas du make-up, les amis, je vous le dis cash. Même ça doit s'entendre à ma voix, je suis en train de bafouiller comme un porc. Ma lèvre, elle est plus grosse que Sarah Frézou, frère. Ah, les gars, là, je me suis pas loupé, hein. Ah, je me suis pas loupé, ça, c'est clair. Ça, c'est. C'est le moins qu'on puisse dire. Les amis, aujourd'hui est un grand jour pour moi. C'est un nouveau départ. Va falloir remplacer cette dent. Va falloir guérir ses blessures. Puis... Oh là là. C'est abusé quand même. Ah, je me suis fait ça hier, les gars. Bah d'ailleurs, si tu me suis pas sur Insta, j'ai fait des stories où je parlais de ce qui m'est arrivé. Donc faudrait peut-être que tu me suives sur Insta. Yo les photos, alors vous avez été très très nombreux à répondre à ma story où j'avais cette tête quoi. Ah non les gars, ça m'est. Oh putain, je suis mort. Oh putain, ma tête gros. Oh putain. Oh, c'est abusé, c'est abusé. Ouais les gars, je sais ce que vous pensez. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour se faire ça, putain? Alors écoute frérot, c'est tellement con. T'es ma gueule. Tu sais là, je vais devant Auchan, je me assis par terre, les gens ils me jettent des pièces là. Je peux même pas sourire. Je peux même pas sourire. Les gars, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé pour que j'en arrive là. Mais avant ça, je dois montrer ça à ma mère. Là, ma mère, elle devrait pas tarder à rentrer du travail. Et elle sait pas du tout que j'ai encore... Enfin, mon père est au courant, mais elle sait pas du tout que... Bon, il y a un truc qui a changé chez moi, quoi. On va voir sa réaction. Après, ouais, je pense qu'elle va vraiment... Elle va vraiment pas comprendre ce qui se passe. Là... Je sais pas, en fait t'as vu, est-ce que vous remarquez mon visage il est figé. Genre si je vais rigoler ça fait y a pas d'expression. En fait le problème c'est que ma lèvre du haut, c'est comme si elle était un peu endormie. C'est chelou, faites attention à vous les gars. Parce que là moi, oh là là. Putain de pute, comme on dit hein. Bah merde alors. Demain j'ai rendez-vous à l'hôpital. Donc on verra aussi ça dit quoi. Rebonjour les amis, comment allez-vous? Je m'en bats les... Vous ne pouvez pas me répondre. Moi personnellement ça va très bien les gars. En tout cas ça va beaucoup mieux que la dernière fois. Comme vous pouvez le voir, mon visage a repris de sa vie. Il a repris de sa foi en l'humanité. Ça va beaucoup mieux. Il y a ma lèvre ici qui a dégonflé. Donc ça fait plaisir. Mes blessures que j'avais sur le visage ont commencé à disparaître. Ça commence à cicatriser. Et ma peau est revenue. Elle a pris le dessus sur la situation. Sauf sur mon nez où j'ai encore ce truc là. On dirait un hindou version Wish. Bien sûr le petit pansement à limite ça me fait du charisme. Tu connais, on est là. Enfin c'est une partie qui prend plus de temps à cicatriser, donc je dois laisser ce pansement. Alors avant que je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'avais quelques petits trucs à vous dire. Premièrement, faut savoir que cette vidéo n'était pas censée sortir aujourd'hui. C'était normalement une autre vidéo qui devait sortir où je cassais la télé de mes darons. Et quand je dis casser, attendez, je vais vous dire, quand je dis casser, à quel point je veux dire casser. Bon bah j'ai pas trouvé ce que je voulais vous montrer, alors vous le verrez dans la vidéo. Donc je devais casser la TV de mes darons et les surprendre avec une nouvelle télé toute neuve. Ma gueule, ça bouge pas. Donc cette vidéo va arriver alors du coup la semaine prochaine. Je sais pas quand mais elle sera là la semaine prochaine. C'est une très grosse vidéo où il y a ma daronne et mon daron que vous n'avez jamais vu. Donc soyez au rendez-vous, ça va être du lourd. Également j'ai fait un post YouTube et vous avez été nombreux à me donner votre soutien. Donc ça déjà je vous remercie. Et vous avez été également nombreux à croire que c'était un prank, alors que non, c'était pas un prank. Il y en a même qui ont cru que j'avais mis du feutre sur ma dent. Si j'avais mis du feutre, est-ce que je pourrais faire ça? Je ne pense pas les amis, je ne pense pas. J'ai été chez le médecin il y a quelques jours et personnellement j'ai beaucoup pris ce qui m'est arrivé à la rigolade. Si vous me suivez sur Instagram, bah vous l'avez remarqué, j'en rigolais de ouf. Mais il faut savoir que ça aurait pu être bien plus grave que ça. Quand j'étais chez le médecin, je l'ai réalisé. Pour ma part, finalement, je dois juste mettre de la pommade cicatrisante et aller chez le dentiste. D'ailleurs j'ai rendez-vous dans 3 jours. Mais le médecin a insisté pour savoir si jamais j'avais du sang qui avait coulé des oreilles ou du nez. Parce que si c'était le cas, j'aurais pu avoir une commotion ou une fracture au visage. Quelque chose de très grave. Donc les gars, faites attention à vous. Moi ce qui m'est arrivé c'est hyper con. Vous allez voir juste après ce qui m'est arrivé. Vraiment faites attention à vous. Parce que moi j'ai pris la rigolade. Mais vraiment ça aurait pu être bien plus grave que ça pour moi. Pour que vous réalisiez à quel point quand même j'ai perdu du sang, je vais vous montrer ma veste que je n'ai pas nettoyée juste pour vous la montrer. Alors ici c'est ma leçon. J'en ai ici là. Je crois qu'il y en a un peu partout sur la veste là. Même derrière, je sais pas. Non. Enfin bref, on s'en fout, mais il y a du sang un peu partout sur ma veste. J'avais quand même perdu pas mal de sang. Enfin bref, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, les amis. C'était ton gars Gilbert Montagny. On se retrouve pour de nouvelles aventures la prochaine fois, ma gueule. Bon, les gars, je vous reprends quand ma mère rentre du travail. On va voir sa réaction. Oh les gars, là j'ai chaud de fou. J'ai vraiment de fou furieux. Genre, je venais de tourner l'intro que vous avez vu juste avant. Je pensais que ma daronne n'était pas rentrée, mais qu'elle allait rentrer bientôt. Du coup, je vais aller en bas pour me prendre un truc à boire. Je vais dans la cuisine et je rentre.
rentre en bombe. Et après seulement je vois qu'il y a ma daronne dans la cuisine. Du coup direct toi je cache mon visage, t'as vu, je tape un truc comme ça et tout. Elle a cramé directement, elle m'a tapé, après tu caches ton visage. Et j'ai dit non, je cache pas mon visage et tout. Puis après j'ai regardé derrière, je me suis fait un peu oublier. Elle parlait avec ma soeur. Et après je suis parti et quand je suis sorti, genre j'ai mis ma main comme ça. Et du coup vous voyez, on voit pas. Et du coup je suis passé comme ça à côté d'elle, tu vois. Maintenant ce que je vais faire c'est soit je l'appelle et elle vient ici, soit je descends en bas. Je crois que je vais l'appeler, mais si elle monte pas, j'irai en bas. Donc, voilà, mais j'ai eu chaud de fou. Oh là là, comment j'ai eu chaud. Je m'étais dit non, 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 il me faut sa réaction. Je voulais pas, fallait vraiment qu'on ait sa réaction en live. Heureusement, elle a pas vu mon visage. Heureusement, elle m'a pas dit, hey, retourne-toi ou un truc comme ça. Heureusement, franchement, c'était chaud de fou. Venir deux secondes. Pourquoi faire? Vite fait, mais pour rien, deux secondes. Mais où, mais je suis parti vite à la mutuelle, ça va fermer. Hein. Ah, désolé, mais t'inquiète, ça va être rapide. Ça non, non, mais t'inquiète, c'est rapide de toute façon. Ouais. Non. Non, ouais, viens deux secondes. Quoi? Ouais, viens, viens. Et où? Ici. Oh! C'est quoi ça? J'ai perdu une dent. Comment t'as fait ça? Parce que j'ai rien dit. Déjà, je te dis déjà, il n'y a pas eu bagarre, il n'y a eu rien de tout ça. Déjà, je te le dis. maman, t'inquiète, il n'y a rien de tout ça. Papa, il sait déjà, hein, t'inquiète. Ouais, je me suis pas raté. Hein. Et ouais, et j'ai taillé. C'est pas possible. T'as vu? En fait, attends, je vais t'expliquer. En fait, j'étais avec un pote. On devait attraper le bus. Maman. Oui. Maman, t'es sérieuse? Maman, t'es sérieuse? J'étais avec un pote, on devait attraper le bus. Tu sais que ça serait mine, donc. Regarde, je t'explique. J'étais avec un pote, on rentrait à la maison ici. Il y avait le bus, c'était le dernier. J'ai couru après et j'ai couru en mode Naruto comme ça. Et je suis tombé à la première et du coup, voilà, j'ai eu ça. C'est... Mais il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. Hein. Ouais. Tu es bien avancé, hein. Ouais, mais bon, ça. Tu m'as perdu une dent. T'as vu? Tu es bien tombé, hein, Kevin. Je suis juste tombé un peu, c'est ça le pire, vraiment. En fait, c'était comme ça, tu vois, avec mes mains derrière. Du coup, quand j'avais les mains derrière comme ça, ouais, bah, quand je suis tombé, j'ai pas pu me rattraper. Du coup, bah, la tête la première. Ouais, sur le moment, ça m'a même pas fait mal, je te dis. De toute façon, regarde, ça va partir après. C'est juste ça. Il dépose la lutte, hein. Pas oui. Trop longtemps non plus, mais ça va. Ça va. Perdu carrément une dent. Ouais, mais ça se remet une dent. J'ai déjà eu des potes, ils ont eu ça. Hein. On y voit que du feu, on te remet une dent, ça change rien, limite. Ça c'est bien arrangé, hein. Et ouais. Mais après, ma lèvre, elle va dégonfler. Quand il n'y aura plus ça, ça. C'est la même. C'est pas comme si je m'étais cassé le nez ou que. Tu vois. Oui, mais c'est plus à refaire. Hein. J'espère que tu ne feras plus jamais ça. Mais on dirait, j'ai fait exprès. On dirait, je suis content d'avoir cette tête. C'est horrible. Hein. Ouais, mais on dirait, je suis content d'avoir cette tête, maman. Allez, franchement, c'est rien. Fallait bien que je te le montre. Hein. Oui, mais c'est quand même, tu es bien arrangé. Ouf. Ça c'est clair. Mais bon, je pouvais pas l'éviter. Hein. Je peux rien. Moi, ça m'arrange pas d'avoir cette tête. Hein. Là, ça peut faire très très mal. Franchement, non, ça fait pas mal. Hein. Ça fait pas mal. Ouh, si, ça doit faire. Non, mais non, ça fait pas mal. Juste quand je mange, c'est plus compliqué. Oui, acheter le truc. Je vais aller acheter tes sushis alors. Je vais vite à la mutuelle et puis après, parce que ça ferme dans un quart d'heure. Oh, ça va, t'inquiète. Mais t'inquiète pas, hein, c'est bon. Si t'as envie du choc, c'est bon. Oui, mais quand même. Oh là là. Tu t'attendais pas, hein, c'est pour ça que je t'ai caché mon visage quand j'étais en bas. C'est horrible. C'est horrible. Je sais, c'est pas très beau. Mais bon, c'est bon, maman, c'est juste une question de temps, hein, ça va. Oui, j'espère que ça va se remettre que. Ouh, il te faudra du temps, hein. Tu crois? Il te faudra du temps pour. Quoi, même? Ouais,
Peut-être dans une semaine ou quoi, ou deux. Ouais, deux, c'est vrai. Mais il ne faut plus le faire des trucs comme ça, Kevin. Toi, t'es fou. T'es vraiment. Non, et franchement, j'ai juste pas eu de chance. Franchement, à ce niveau-là, je courais. En fait, il faut vraiment, tu vois, quand en fait, Naruto, il met les deux mains derrière. Mais tu vois, n'oublie jamais ça, hein. Ouais, mais maman, franchement. À dire que tout ça, là, c'est juste une chute. T'imagines, oui, c'est rien. T'es un enfant de 10 ans qui va, qui court comme ça, qui tombe comme ça. Et tu vois, au moins, tu pouvais au moins protéger. Mais justement, c'est parce que mes mains étaient derrière. Mais oui, mais tes mains étaient derrière, mais tu aurais dû. Quand tu arrives sur le sol, au moins tu protèges ton visage. Tu vois, quand. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, ça arrive dans une. C'est une fraction de seconde, vous savez. Une fraction de seconde, mais. Ouh. En plus, quand tu fais Naruto, t'es déjà un peu penché. Donc, je suis déjà plus près du sol que si je cours normalement. Je suis comme ça. Donc, c'est pour ça que vraiment, j'ai pas eu. Mais oui, t'as couru comme les enfants. Les enfants qui courent, qui mettent derrière comme ça. Et... voilà, comme si c'était Superman. T'as fait vraiment Superman et c'est Superman qui court comme ça parce que Superman il a les mains comme ça en l'air comme ça. Alors toi t'as fait Superman. Superman il met la main devant. Et alors t'es tombé et alors t'as eu mal. T'as vu ça Adama, regarde ce qu'il a eu. Viens voir. Regarde ce qu'il a eu. Il est bien arrangé, hein. Oui, je sais, j'ai vu. Mais ça j'avais vu sur Instagram. Oui, mais regarde, il est trop bien arrangé. C'est mais là, tu nettoyer, vois, hein. C'est les enfants qui. Mais bien sûr que j'ai nettoyé, mais ça part pas, hein, ça. Qui font Superman. C'est raflé. Mais derrière, on dirait que c'était Superman, il allait vraiment. Et il a perdu une dent, t'imagines? Non, en fait, ouais, vraiment, ce qui est chaud, c'est quand même la dent. Enfin, c'est. Juste parce que je suis tombé. En fait, moi, ce qui me choque le plus, c'est que c'est juste ça, quoi. Je suis juste. Et ta tombé. Dent, il a perdu ça. Elle était dans la rue. Ouais, mais mon pote, quand je suis tombé, parce que j'étais avec un pote, il a pas remarqué que j'avais perdu la dent. Du coup, il a vu que je saignais, il a. Enfin, voilà, il pouvait pas faire grand chose. On est rentré à la maison. Et voilà, c'est tout. Mais la dent, ouais, lui, il l'avait pas vu en fait. Et c'est quand on arrive à la maison, qu'à un moment, genre, je lui ai parlé, il a fait, ah, attends, regarde. Oui. Et après, il m'a dit, attends, monte, souris, là, monte tes dents. Et puis, il a vu ça, il a fait, oh, yo, bro, t'as perdu une dent et tout. Ouais, c'est chaud, hein. C'est horrible, c'est horrible. T'as vu ça, c'est les enfants qui courent, qui mettent des mains derrière. Ouais, je sais. C'est Superman, ouh, c'est Superman. Et il a fait ça, et il pensait qu'il allait décoller. Je te jure, le gars, il pensait qu'il allait décoller. Il dit, oui, je vais attraper le bus en faisant comme ça. Superman, je vais l'attraper, le bus va je vais partir le bus. Et alors Superman, tu vois, mais Superman, il monte en haut, et lui, il est tombé en bas. Et c'est comme ça, il a vraiment fait un gros boom. Superman, il est en l'air, hein, et il met sa main après comme ça. Et Superman, il est parti. Oui, parce que Superman, ça monte. Mais toi, au lieu de monter, t'es descendu et t'as pris le sol à plein visage. T'as vu ça, Asto? Viens voir. Regarde comment il est bien arrangé, il a même perdu sa dent, t'imagines? Ils ont déjà vu. Il faisait Superman, hein? Ce qu'il me faut sur Instagram. C'est pas Superman. Mais si, ça c'est Superman. C'est Naruto. Oui, mais Superman, il met ses mains comme ça. Non, il met devant. Après, il met un comme ça, devant comme ça. Après, il fait ça. Mais au début, Superman, quand il part comme ça. Et une fois qu'il est en l'air, il fait comme ça. Maintenant, ça part en débat sur Superman. Non, Astou, je sais très bien de quoi je parle. Je vais rater mon truc, je vais rater mon. Mais c'est pas grave. Mais je sais très bien que Superman, quand il part comme ça. Ou alors c'est l'autre. Alors, maintenant ça part en débat sur Superman, ça m'a oublié. Mais oui, non, mais maintenant il est bien arrangé. Il part comme ça. Ben. Oui, mais lui il monte. Et Kevin, lui il est tombé par terre comme des enfants. Tu vois les enfants qui font des trucs comme ça. C'est vraiment. Grand, une tête de con quand je rien. Ici on va. Ouais, je sais. J'ai même pas envie de le regarder. Ouais, c'est la lèvre. À fond, j'ai même pas envie de bien regarder son visage tellement que je suis stressée, je suis dépassée. Oui, mais la prochaine fois, tu me fais pas de ça. Oh. Tu me fais pas de. Mais oui, mais ouais. Même, elle a des frissons. C'est normal. Non, mais quand je me suis raflé le sol, je peux vous dire que ça a fait mal. Hein. Ça c'est logique, t'imagines. Ne le fais plus jamais ça, Kevin. Ouais, t'inquiète. Ne le fais plus jamais ça, s'il te plaît. C'est fini les courses Naruto, c'était pas pour moi. Ça c'est pas pour toi. Hein. Tu rates le bus, tu prends le prochain. Il n'y avait pas de prochain, c'était vraiment le dernier. Oui, mais à ce moment-là, tu prends un taxi, tu viens ici, on paye. Non, mais moi j'ai déjà couru plusieurs fois en Naruto Run, enfin j'ai quand même de l'expérience et je savais ce que je faisais. Oui, mais là.
mais là, tu l'as vraiment échappé. Hein. Ouais. Tu as vraiment gagné ton truc. J'ai raté l'école des ninjas. Oh mon Dieu, l'école des ninjas, si c'est ça, tu vas pas y aller. Hein. L'école des ninjas, tu fais comme je ça. Je peux pas rigoler. Qu'on va le réussir. Bah oui, tu sais même pas rigoler. Bah, c'est normal, c'est logique. Tu as vu comment t'es bien. Ça me fait une tête arrangée. De con quand même. Hein, mais oui. Quand je souris. Non, c'est pas beau. Tu sais même pas sourire. Ça fait. Oh, je jure, j'ai même pas envie de regarder ça. Tellement que. Ouh, j'ai même pas envie de voir ça. Moi. Non, ça c'est. Oh, voilà. Horrible. Sur ça. Mais va te reposer. Et ouais, mais on va aller à la pharmacie chercher les médicaments. Le truc cicatrice pour cicatrice. Avec à son état à l'arène, plus c'est pas il y a deux psys, c'est les soeurs de Black Rock. Jure. Et puis, ouais, et puis après, ils nous ont fait. Nous ont dit quoi? Ouais, t'as vu sa dent et ça. Allez, ouais. Ça a tourné de fou ce truc. Hein. Ouais. D'habitude, mes stories font 3000, 4000 vues. Là, elle en a fait 8000. 8000. Ah, vous aimez bien quand les gens ils souffrent. Hein. Bon, bah voilà. Au début, vraiment, elle était choquée. C'est le cas de le dire. Du coup, demain, je vais aller à l'hôpital. En tout cas, vraiment, j'ai pris cher. Au début, l'ascenseur émotionnel, il a été très puissant. Mais c'est bon, maintenant, elle en rigole parce qu'elle sait très bien que c'est qu'une question de temps, les photos. Faut pas s'inquiéter pour moi. Par contre, ma lèvre, oh là là, Sarah Frézou.